Allez, c'est parti. Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse et Plate sur Small Trib avec Patou et Corse, si vous rejoignez. Il est 18h33, nous sommes le dimanche 4 avril 2021, il est 17h33. 17h33. Voilà. Donc, on démarre. Je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a fait. Base, LS, et c'est parti. Salut Damien, salut Morgane, comment allez-vous? Salut Raptor, ça va vite là, je commence. Ça va bien? Tranquillou. Donc, on a fait pas mal, on a mis des plantiques, on a mis des tourelles, on a repoussé Managerm, on a repoussé Wyvern, donc excellent. Excellent, par contre j'ai été dans ma petite planque, j'ai mis deux tourelles sur les survivants. Je ramenais la troisième tourelle pour survivants plus les animaux tamés. Je suis revenu à ma petite planque dans la caverne que je vous avais fait voir. Et il m'avait pété mes tourelles déjà. Alors j'ai pas compris, franchement j'ai pas compris comment il a fait. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vous fais voir un petit peu, là il y a un managarme qui nous titillait hier, c'est quoi ça? Pourquoi c'est noir maintenant? Alors attendez, parce que là il y a un problème, voilà, délire un peu. Donc il y a un managarme qui nous titillait hier et puis il nous pétait les plantiques, à savoir que les plantiques contre les managarmes c'est pas terrible les plantiques. Hein. Donc j'ai vu avec Patou, elle me dit on va mettre une tourelle ici, voilà on a mis une tourelle ici, simplement les survivants, il s'est pris deux bastos et il est parti. Il a arrêté de nous péter les tourelles, puisque les plantix, puisque la tourelle a protégé donc les plantix ici, tu vois. Et là. Voilà, donc c'est pas mal, à force de se faire attaquer, on améliore notre défense, donc c'est génial. Ouais, je commence tôt, ouais, tout à fait, ouais. Ah ouais, c'est cool. C'est trop cool. Voilà, donc je vais aller me fringuer et puis je vais vous montrer ma nouvelle planque. Mais il y a quelque chose qui m'a échappé. Alors si vous avez des conseils, des solutions ou des réponses, parce que là j'ai pas compris comment il a pu me péter ça. M'a pété les tourelles, m'a pété les structures. Sachant que les structures dans les cavités, dans les cavernes, ils sont 6 fois moins résistantes. Hein. Voilà. J'ai même pas regardé. Alors, on va regarder ça tout à l'heure. À savoir qu'une fondation, c'est 15 000. Une fondation, c'est 15 000. Donc, on va voir là-bas, normalement. C'est quand tu veux, tu vois. Attends, excuse-moi. Non, j'ai une autre solution. Non, monsieur, n'importe quoi. Voilà. Donc je crois que j'ai mis toutes mes affaires là-dedans, non? Je sais même plus. Je me suis déconnecté avec Gaston là il y a peu puisque j'ai joué tout à l'heure. Non, j'ai rien. Bon, ça se fait. Bon, je vais prendre en cuir, je vais prendre ma lance, pioche et tout ça. J'ai mis ça où? Ah, peut-être dans le centre d'usinage là-haut, certainement. Ouais. Bon, on va voir ça. On va voir ça ensemble. Hein. Donc si vous avez des conseils, il n'y a pas de problème. Hein. Donc on repousse bien. Vous voyez, on a des tourelles en bas, on a des tourelles en haut. Là, on en a mis 5. Vous voyez, hein. 4. J'en ai pris une justement pour ma planque. Normalement, il y en a une cinquième ici. Là, c'est un sol aérien. Dès qu'il passait avec son managarme, les tourelles lui tiraient dessus. Donc il n'a pas insisté. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On se défend pas trop mal. Et puis là, elle a mis des parasers pour détecter justement les ennemis qui viennent. Comme ça, on voit aussi les points bleus ou les points rouges. Donc c'est cool. Donc c'est cool. Voilà, donc on commence à bien se défendre. Donc je crois que j'ai mis ça là-dedans. Ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre ma hache pour le bois, ma lance pour me défendre ou attaquer. Donc... ça y est, un détecteur des ennemis. Bon, je me mets en cuir. On a fait pas mal de perles. Patou, elle avait ramené ça de Scorch. Ah, d'accord, il y a Laura et Morgan avec... Non, normalement, c'est Morgan, Damien. j'ai commencé, Damien. Ça y est, ça a disparu, les fondations. Ouais.
Oui, ah, il y a Laura et Morgane, hein, donc il y a les deux personnes. D'accord, ok. Ah bon, bonjour à tous les deux. Là. Ouais, il y a de Laura, je vais attendre. Donc je vais prendre ma gourde polymère. Donc faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a un qui est venu avec sa Wyvern, il nous a pété 2-3 maisons plus ma caverne. Donc je vais vous montrer ça. Ouais, donc faut que je prenne ça, faut que je prenne l'essence parce qu'il m'a pété, il m'a piqué mon essence en plus. Ça, ça. Je vais reprendre ça, la boîte de machin, ok. De la viande évidemment. La pioche, elle est où? Tu m'as pris une pioche, toi? Ah, elle est là, surtout. D'accord, ok. Voilà, on va prendre 300 balles. Parce que, non, ouais, 300 balles. Parce que je vais mettre sur l'animal domestiqué aussi. Enfin, on va apprivoiser. Vous voyez, j'ai mis que sur survivant, j'ai pas compris. Il y a aussi Laura qui regarde. Elle a voulu regarder ton live avec son téléphone. Sinon, on regardait ensemble. Ah, ok, ça marche. C'est Laura, c'est apparemment la conjointe de Morgan. Ouais. Donc bah j'espère que ça va vous plaire. Alors, si vous avez des conseils, parce que je sais que vous jouez tous les deux, hein, Laura et Morgan, hein, c'est ce que tu m'avais dit, Morgan. Hein. Vous jouez tous les deux et à moins que je me trompe, mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Donc là, je vais aller à la caverne. Je regarde si j'oublie rien. Hein. Ça, parce que je vais continuer à faire là. Ouais, je vais à la caverne. Je vais prendre du ciment parce que je vais faire fondre là. Moi, je suis à côté de la faille où il y a beaucoup de métal, donc ça va être plus simple. Voilà, du ciment. Ah, il y a pas. Sans ciment, ça va aller. Il y a des castors en dessous de ma cascade, non? Il me semble, hein. Les castors. Ouais. Ok, donc il n'y a plus de parasaur là, c'est bon. Okay. Oh là, ça m'a fait peur, un aigle. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, il pète le fiomia, plus. Eh ouais, il est chez nous, l'aigle. Vas-y, bouge toi, viens m'attaquer moi plutôt. Voilà, viens. Voilà. Allez, je vais faire un oreiller avec tes plumes, mais que tu me pètes, ouais, d'accord. Ah, 140 l'aigle. Ok, ça commence bien, hein, impeccable. Par contre, j'ai pas trouvé où on voit le temps pour le boss. Ah bon? Parce que normalement, t'as un décompte, Morgane. T'as un décompte. À cause de mon... de quoi? Salut Nicorsin, comment vas-tu? Depuis... pas douillé. Correcteur. Ah, d'accord. Plus d'internet. Ah, oh, t'as plus d'internet, t'as plus de 4G. D'accord, alors la base n'a pas été touchée. Non, on a progressé. Je me suis installé dans la caverne, mais bon, je me suis fait péter quoi en l'espace d'une demi-heure. J'avais tout mis, les tourelles survivants. J'y retourne une demi-heure après, plus de tourelles. Purée, il m'a pété un peu mes structures. Ah, j'ai pas compris. J'avais mis deux tourelles sur survivants face à l'entrée. Je vais vous faire voir, on va y aller. J'en ai occupé de l'aigle ou pas? C'est un niveau 140 quand même, puis j'étais pas habillé pour. J'entends l'attaque. Je reprends mes machins. Voilà. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas de tourelle là sur moi. Non, elle est là-bas. Donc j'ai laissé une tourelle là-bas inactive. Ah ouais, tu l'as là? D'accord. Ah, tu veux un coup de main peut-être? Alors attends, hein, je peux. T'es mort, ça y est? Allez, viens. Ah non. Ok, viens là, voilà, viens là. Je suis pas habillé. Ah purée, quelle nouille. Ah, il va péter le fiomia. Hein. Ah, va falloir en refaire un. Bazar. Ouais, attends, ça commence bien là, vous. Ça y est, t'as tué, je t'entends. Quel niveau? Je vais te dire ça de suite. Mon personnage Gaston que je joue hors Twitch, il est à 92. Et là, il pète pas haut celui-là. 71 celui-là. Et toi, t'as combien? T'as combien toi? Bouge pas. J'ai pas eu le temps. Attends, non. Oh. Je sais pas si t'as vu. J'ai pas eu le temps de voir. C'est barré. Il est parti?
Ah, puis il est toujours là, le... D'accord. Attends, t'es à combien? Niveau 90, Patou. Ouais. Patou, 90, et puis Gaston, 92, et puis là, 71. Hein? Oui, il revient, ouais, c'est bien, en plus. Oh. C'est reparti pour un tour. Bon, allez, je vais à la machin, je te laisse gérer. Hein. Hop. Bon, je vais vous faire voir la caverne. Tu nous rejoins quand, Nicor, ce soir ou demain? On s'est fait embêter par un managarme hier et puis des wyvernes. Donc on a repoussé les wyvernes sans problème. On a fait notre stratégie, hein, ouvrir les portes, les fusils de précision, ils se posaient sur la petite colline, on les tapait avec nos fusils de précision, ils sont partis. Hein, parce que là, Et l'autre avec son managarme, il commençait à nous péter les plantix. Donc avec Patou, on a décidé de mettre un mirador au milieu des pics, tu sais, devant la base. Donc on en a mis un, on a déplacé une tourelle, on a fait un générateur vite fait. On l'a mis uniquement sur survivants. Et il s'est pris deux bastos et il est parti avec son managarme. Donc tu vois, ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. C'est cool. Bon là, je vais vous montrer. Hein. Ça tombe, il est revenu, il m'a repété ma tourelle, mais bon, elle n'était pas allumée. Hein. Il m'a laissé mes forges, il a pas pété mes forges. J'ai mis un centre d'usinage. Donc je sais pas s'il est revenu me le péter. Sinon, il a laissé mon établi, mon pilon. Enfin, il a rien pété, hein. Il a pris juste l'essence. Il a dû prendre les balles des tourelles, évidemment, il me les a pétées les tourelles. J'ai pas compris là, franchement. Comment il a pu me péter. Il y avait deux tourelles dirigées vers l'entrée de la caverne, quoi. Alors, j'ai pas compris. Voilà, là, c'est mon nouveau domaine. Voilà. Voilà. Donc là, j'avais une tourelle ici, une tourelle là, uniquement sur survivants, voilà. Et cette fondation-là, bah, c'est toujours 15 000. Toujours 15 000, mais ça doit être moins puissant, quoi, de résistance. Il m'a pété cette fondation-là, elle est bien noire. Et ce mur-là, il était pété. Donc on voyait mon générateur. Alors comment il a fait? Est-ce qu'il a envoyé un arthroplora? Est-ce qu'il a envoyé des grenades, peut-être? Il a peut-être envoyé des grenades, je sais pas, hein. Demain, là, je suis... D'accord, ok, demain, Nicor. S'il n'y a pas de problème, c'est juste pour savoir. Je suis la seule qui vient de commencer ce jeu. Oh, bah, ça va aller vite, hein. Morgan, il va bien t'expliquer. Et puis, tu vas monter de niveau assez rapidement, Laurent. Il n'y a pas de problème. Hein, Morgan, on compte sur toi pour que... Hein, monte de niveau le plus rapidement possible. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait, regarde Nicor Saint, tu vois, là c'est là où je vais faire tout mon métal. Là j'ai mis le centre d'usinage, là j'ai ramené une tourelle, je l'ai mise là, bon s'il me l'a pété mais je n'allais pas la mettre en route. Là je vais mettre des pilons hein, pour faire la poudre, les balles et tout. Mais il faut que je sécurise l'entrée de la grotte quoi. Donc il faut mettre des tourelles uniquement survivants et animal tamé. Alors à ce moment-là, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a fait. Franchement, et j'ai voulu mettre une fondation ici, impossible. Voilà, ici j'ai pas pu mettre de fondation parce qu'ils me disent trop près d'une autre fondation ennemie, quoi, structure ennemie. Alors qu'il n'y a rien autour. Parce que sinon là j'aurais mis un mur, tu vois, avec une porte et les tourelles derrière. Donc il aurait fallu qu'il s'approche là. Enfin je sais pas, et je vais voir ça. Il n'y a pas beaucoup de passes sur le côté, donc il aurait pu passer sur le côté. Non, sur le côté, alors attends, il vient par là, mais la tourelle, il y en a une qui est dirigée là, tu vois, regarde. Alors t'imagines, il y a une tourelle ici, là, je l'avais mise là exactement, tu vois. J'en ai mis une ici, tu vois, et une carrément là, d'accord? Survivant. Alors, on va voir, hein. Admettons, le mec, il arrive, là, il longe, voilà. Si je longe par là, j'ai la caméra, tu vois. La caméra. la tourelle. Donc là, bing, 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 boum. D'accord, ok. Maintenant, il est là, l'autre. Bourrico, il y a du monde. Qu'est-ce que tu veux? Il était en fourrure. Vous l'avez vu? Bouffon de Cappadoce. Il y avait du monde en... Vous l'avez vu, non? En fourrure. Purée. Ah, puis j'ai tout sur moi, attends, j'ai tout sur moi, laisse tomber, attends, vite. Vas-y, arrachage.
Ouais, la caverne. J'ai tout sur moi. S'il me tue, il me prend tout. Laisse tomber, vite. Vas-y, toi, il faut qu'on trouve l'inventaire, là. Dépêche-toi, l'essence. L'essence, allume. Oh purée, il est où? Vite, faut que je remette, s'il me tue, il prend tout, j'ai plus que les yeux pour pleurer. Ramasse ces tourelles. Vite, dépêche-toi. Alors, vas-y, mets la tourelle, vite. Tourelle, allez là. Mine Charles. On va refaire notre petit speech après. Hein. Ah ben voilà, tu vois là j'avais mis la tourelle ici, je la recule un peu, voilà, je l'allume, je mets les balles vite fait avant qu'il vienne, voilà, ça y est, sauvé, s'il vient il se fait péter. Donc là ce que je vais faire, je vais pas mettre que sur les survivants, hein, parce que je me suis fait avoir une fois, c'est bon, attribuer un code PIN, ça c'est pour éviter qu'il me prenne les balles, portée élevée, hein, d'accord. Ciblage seulement les survivants ou les créatures apprivoisées. Donc là, je le laisse comme ça. Hein. Ok, l'inventaire, tout, attribut code PIN, c'est fait. Je vais la renommer. Hop. Et je vais marquer caverne centrale. Caverne. Comme ça, si à tue quelqu'un, je saurai que c'est celle-ci, caverne 1, centrale. Oh purée. Caverne centrale. Voilà. Ok. Voilà, maintenant je suis un peu plus tranquille, hein. Là je peux brûler tout, je suis plus en sécurité on va dire. Hein. Un boulet peut-être après, bizarre. Hein, là j'ai pas compris Morgane, hein, franchement. Ouais j'espère aussi, bon, moi je vous laisse parce que je suis de cas rapport à mon chéri et puis je dois m'occuper de mon fils. Ok, bonne soirée Laura, au plaisir et un petit bisou à votre fils. Super, merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir Laura. Donc on va essayer, on va réessayer Morgane sur le côté. Hein. Avec un bouclier, mettre du C4, peut-être. J'avais pas pensé au bouclier, ouais. Salut Paco, comment vas-tu? Bah tiens, justement, Paco, on était en train de chercher une explication. Je me suis installé dans la petite caverne, tu sais, sous la cascade. Donc j'étais en train de mettre mes tourelles, j'en avais mis deux. J'en avais mis une ici et une ici, voilà. Et j'allais mettre la troisième ici ou sur le toit, je sais pas. Mais normalement, je vais la mettre ici. J'ai mis que survivant. Le mec, une demi-heure après, j'y suis retourné. Il m'a pété mes deux tourelles. Ça, c'était noir. Et ce mur-là à côté, il n'y était plus. Et la fondation-là, elle n'y était plus. Donc, ça peut être que du C4 pour moi. Alors, comment il a fait pour s'approcher? Là, je ne comprends pas. Alors, attends, il y a un mec là-bas déjà aussi. Attends, je vais installer ce qui me reste sur moi. Parce que sinon, il va me les piquer s'il me tue en fourbe. Donc, on va mettre ça par là. Donc là j'ai mis des croisillons, je sais pas, je suis pas très fort à ça moi. On va voir. Ni corse, hein, j'essaye. Mais je suis pas très balèze pour ça. Voilà. Est-ce que ça dépasse derrière? Oh, ça va dépasser derrière moi, c'est bon. Est-ce qu'il a alimenté le truc? Non, non, c'est... Non. Je sais pas s'il est alimenté. S'il alimente l'autre, j'en sais rien du tout. Je voulais en mettre deux, hein, de rechange, tu vois. J'essaye de faire comme tu m'as dit, Nicorse, mais bon, je suis pas balèze. Hein. Bon, je vais mettre voilà, trois essences là-dedans. Celui-là, bon, j'en ai pour 12 heures, donc c'est bon jusqu'à la fin du switch. Là, on a accès, parce qu'avant, on n'avait pas accès par derrière, on avait accès que par devant le générateur. Donc, ils ont changé ça, c'est pas mal. Allumé. Donc, je l'allume. Dans les options, non, activer gestion automatique non alimentée. Je le mets. Là, pareil, peut-être. Tu me dis si je me trompe. Hein. Faut mettre les deux dans l'alimentation, hein, non. Gestion non alimentée, voilà.